Nous sommes dans l'espace intersidéral. Et salut à toutes et à tous, c'est Maïté, donc on est dans l'espace intersidéral avec GPM. Non, Jean-Pierre Coff. Oh, mais écoutez, c'est consternant. Je vois des étoiles partout, mais qu'est-ce que vous faites là? Merci à vous de suivre cette série depuis tant d'épisodes, déjà le troisième. Oh là là, c'est beaucoup. Wow, c'est beaucoup quand on voit la longueur du jeu. Ouais, c'est vrai. Disons que Lyon galère un peu, là. Non. Écoutez, je veux pas... Oh, le dernier, tu peux passer comme ça, et le dernier, faut passer... Allez, gueule. Y'a pas un moyen suicide, genre tu l'abandonnes comme ça, il crève à jamais Si seulement. Ok, j'ai compris. C'est LOL, tu dois faire du moonwalk pour gagner. C'est-à-dire? Il y a un niveau, tu dois faire du moonwalk. Vas-y. Mais non! Mais non! Tu vois? Attends. Attends. Oh, mais comment je peux vérifier si l'action fonctionne là en fait? Je ne sais pas. Bon. Mais écoute, si ça coupe, c'est normal. Et forcément, j'ai pas de souris parce que VVV est une grosse merde! Oui, je tape du poing sur la table, qu'est-ce qui se passe? Là, c'est pour un challenge cricket, je m'en souviens très bien. Ok, donc ça enregistre depuis tout à l'heure, donc c'est cool, je crois. Attends. Là, c'est. Ok, 42 minutes, c'est bon. Attends, 42 minutes. Oh, oui, c'est bon. Ah, ouf! C'est le cas de le dire, oui, ouf, pour moi aussi. Non mais ouf, j'ai pas fait le level que pour un shiny cricket. Dis-moi Jean-Pierre Coff. Écoutez, je veux pas avoir l'air de vous contredire, mais... Ce jeu là, c'est pour les nazis. Oh putain, mais t'es sérieux? Ça fait 30 000 fois que je recommence exactement le même passage juste parce que je prends pas le checkpoint. C'est consternant. Écoutez ma petite Maïté, je veux pas avoir l'air de vous contredire là, mais votre émission... C'est pas avec des produits de qualité, c'est avec des produits à chier. Oh, j'étais passé. Il faudrait que tu fasses une miniature avec un mec qui rage, mais genre beaucoup, genre diable. Le diable de ta scène. Oh putain. Peut-être que je ferai un trailer. Pourquoi t'as fait Alt-F4, toi? Découvrez des imitations surprenantes. Des points Godwin, ce jeu c'est pour les nazis. Putain, mais sérieux, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Mais d'où? J'imagine bien le joueur du grenier sur ce jeu. Oh putain. Putain, mais je fais tout ça pour un point. What? J'ai envie de prendre mon clavier de balancer. Non, je vais pas faire ça, pourquoi? Non. Plus. Pas du tout, qu'est-ce que vous... Putain d'inertie de merde! Oh putain, t'es pas sérieux? C'est ce moment où tu dois t'échapper d'un niveau de merde. Toi aussi, tu le connais ce niveau? Non. Fils! Écoute, on peut déclarer la victoire à GPM Show par forfait? Non, quand même pas. C'est ce que je m'apprête à faire! Mais peut-être. Ah merde, j'ai oublié. Bon, écoute, on va speedrunner comme un gros porc. Pourquoi il a la tête dans les pics et il meurt? Moi, quand j'ai la tête dans un pic, je ne meurs pas. Bon, qu'est-ce qui se passe, Maïté? Racontez-moi. Non, mais moi, je suis pas Maïté, je suis Jean-Pierre Coff, c'est toi, Maïté. Mais non, c'est toi, Maïté, attends. C'est moi, Jean-Pierre Coff. On l'avait dit dans le dernier épisode, alors merde. Mais regardez cette belle cassonade. Ivy, comme tout le monde le sait, il n'y a pas que le sucre blanc. Yolo. Putain, mais... Ce jeu, il aime bien te troller, parfois. Déjà que mon perso n'arrive pas à passer, alors comment veux-tu que le deuxième perso passe? En fait, c'est un peu comme le fameux, la fameuse meuf dans Resident Evil 3, apparemment, ou je sais plus lequel. T'as une meuf, pareil, qui te fait chier, qui te casse les couilles, qui ne sait pas se défendre et qui est vraiment une merde, et est handicap à mort. Ben là, c'est pareil. Il te fout un niveau déjà dur à la base, avec une salope. Pour ceux qui ont compris la référence. GG. Même si je ne joue pas à Resident Evil. Arg. Non, oh, je suis passé.
Je fais caca dans vos raviolis, ça vous va? Oh putain, je peux plus blairer ce level. Moi, c'est la musique qui commence à me faire mal à la tête. Mais meurs pas! Je crois pas. J'aurais dû mettre en facecam. Mais si tu veux, on en fera ouais. En facecam. Le quatrième épisode? Non, pas le quatrième épisode, mais d'autres fights. Bah ouais, mais VVV, c'est quand même le jeu le plus rageant, donc bon. Tu peux faire jouer à Super Meat Boy? Ou ça oui. Ira? Non, non, Super Meat Boy est plus simple. Parce que Super Meat Boy, comme je te l'avais dit, la jouabilité est parfaite. Et c'est plus simple. C'est juste le joueur qui... Oh, genre, je l'ai fait passer sur le plateforme après. Oui. Donc c'est le joueur qui est récompensé de son... C'est le joueur récompensé de son skill. C'est pas le jeu qui empêche le joueur de progresser facilement. Enfin, bon. Tu m'as compris. Comment dire. Non. Mais non, mais qu'est-ce que tu fous, mais... Putain, mais toi aussi t'es avec le Jean-Pierre qui te suit, là? Non, non, bah non, moi ça fait longtemps que j'ai fait ça, moi je suis allé... Mais comment t'as fait pour que le Jean-Pierre te suive? Eh ben, il m'a suivi. Je vais aller ici, tiens. J'ai jamais allé. Mais va sur ta deuxième plateforme, espèce de foiré. Heureusement qu'il y a des checkpoints un peu partout. T'imagines? VV sans checkpoint, ça donnerait ça. Trog. J'ai réussi presque. Ah, pas c'est moi, hein. Après l'autre connard. Moi. Putain. Mais putain, mais. Genre. Mais j'ai vraiment fait ça pour un checkpoint de merde. Putain, 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 putain. Qu'est-ce qui est le plus rageant entre ça et être en cours? Ça se discute, hein. Ça se discute. C'est comme l'émission de merde. C'est pour ça que j'ai dit ça. Oh, mais putain de toi. Vas-y, donne-moi un indice. Est-ce que la première plateforme, faut passer par en dessous ou par en haut? En dessous. Ah, c'est pour ça que je me fais depuis tout à l'heure. Putain, mais par où tu veux passer? Je me souviens même plus du passage. Est-ce qu'on peut retourner à la base? Non. Faut pas traverser le level. C'est impossible! Ben moi alors, tu crois que je suis obligé de passer le level? À moins que je veux me retaper les deux tours à l'envers, ce qui est impossible. Je peux aller nulle part! Je suis en train de galérer! Et moi alors? Mais c'est. Tout ça pour un shiny trinket! Pourquoi j'ai sauté là en fait? Mais pourquoi je suis nul? Mais faut juste que je me concentre et que j'arrête de parler, c'est tout. T'es passé? Non. Mais je pourrais passer hyper facilement si je me concentrais et que j'arrêtais de participer. C'est impossible, faut que je passe ailleurs. Oui! Oui! Je suis passé! Maintenant, faut le passer, lui. Bon, alors toi, tu vas passer. Bon, on va te prendre une sortie. Le fils de pute! Oh! Ah, et la musique qui s'adoucit en plus. Genre, tu as perdu. Ah, mais ok, en fait, c'est presque simple. Presque. Mais à force de le refaire. Putain, j'ai mal au doigt, moi. Pour toi? Non. Bon, écoute, on va prendre le pad. Non, en fait, c'est une mauvaise idée de prendre le pad. Ça te fait encore plus rager. Et oui, parce qu'on peut jouer au pad. Tu risques de péter ton pad, alors oui, tiens-le à l'écart. Mais, bon, écoute, le pad, au revoir. Le clavier, c'était très bien. Par où? Ça fait combien d'heures qu'on est là? Je sais pas. Moins d'une heure. Quand j'ai regardé l'action, ça faisait 42 minutes. On va voir ça tout de suite. On est actuellement à 40... On est à 50 minutes de jeu, là. Il nous reste 10 minutes avant la fin de l'épisode, malheureusement. On est malheureux de vous quitter. Donc, dans ma vision, on n'a pas beaucoup avancé, en fait. Enfin, même pas du tout. Moi, dans ma vision... Pareil. En fait... On l'appellera un épisode décevant.
un épisode useless. Sinon vous allez pas le regarder, donc comme ça on n'aura pas d'argent. Argent. Non, c'est pas vrai. Le jour où la GLTM fera des revenus, bah putain. On aura 10 000 abonnés. Ça sera famous. Le jour où la GLTM a 10 000 abonnés. Mais on ouvre le champagne là. Et on vous dit merci. Et on vous offre des canons. Non, je rigole. Non, c'est pas vrai. Vous abonnez pas en masse, c'est bon, c'est fini. Là, t'imagines. Mais non, on rigole. C'est pas drôle. Oui. Ok. Tac, tac. Non. Tac, tac. Oh, le fils de pute d'inertie de merde de sa mère. Non. Non, je dis pas d'insulte au public. Enfin. C'est bon. Pas du tout, qu'est-ce que vous racontez? J'allais faire exactement. Non, putain, je dois recommencer. Vous verrez ma tête actuellement, ça ressemble à peu près à. Le diable d'Asmanie, tu le mets si bien. Presque ça. Mes yeux commencent à me piquer, alors on va faire de suite un truc. Imagine que moi je suis en fenêtré. On peut même pas accéder aux options pendant qu'on est en jeu, c'est pas incroyable ça. Et sauvegarde, pour être sûr. Oui, mais je veux pas qu'il y ait. Parce qu'il y a un moyen d'enlever les arrière-plans en fait. Très bonne option si vous êtes épileptique et vous voulez quand même profiter d'un excellent jeu qui fait mal aux yeux. Je ferai quand même mal aux yeux. Mais un peu moins. Par où? Et Didou est sponsorisé par Pepsi. Passer. Ah, par là. Ok. Très bien. Mais non. Je suis mort combien de fois moi? Je vais arrêter de regarder mes statistiques parce que je suis mort 388 fois. Seulement. Ça va beaucoup. Ça représente. Les épileptiques, hein. On est désolé. Oui. N'appelez pas la police, hein, c'est pas grave. C'est pas nous. On mettra un message de début. À chaque début d'épisode, un petit message avec la musique de BBV, comme ça vous pourrez profiter un tout petit peu quand même. Mais d'ailleurs, si vous êtes épileptique, en général, vous ne nous écoutez pas actuellement. Vous êtes en train de vous rouler au sol. Mais... vous ne pouvez pas jouer aux jeux vidéo. Hashtag troll. Non, mais sur VVV, c'est vraiment. C'est marqué d'ailleurs au début du jeu, je crois. Peut-être. Il y a des options spéciales épileptiques dans VVV. C'est comme dans Fez. C'est assez épileptique, Fez. Ouais, alors des petits carrés, c'est épileptique. Oh, un téléporteur chouette. J'ai l'impression de me faire encore plus enculer lors d'un contrôle de maths, quoi. Ah, moi, lors d'un contrôle de maths, c'est. YOLO. C'est claquette, hein. Moi je fais des claquettes sur la table. Sur les tables. Sur la table. Oui, sur la table. Si ça marche. Oh oui. Oui. Passer. Ah oui, après faut que je revienne. Oh, un mec. Ah mais non, mais c'est. What? C'est pas de la viande à manger. Hey, capitaine. Blablabla, blabla. Très bien. Attends. Comment je suis censé revenir? Je veux des explications. Alors, j'analyse la situation. Alors. Comment je suis... Attends. Une fois que t'as ramené le mec de l'autre côté du rivage, comment tu fais, là? C'est une très bonne question. Non, mais sérieusement. Je fais comment, moi? Ah, il s'est barré. Il est parti de la map. Cool. Et moi je suis bloqué dans mon putain de truc. Ah oui, c'est YOLO. Putain, c'est consternant. Oh non, je suis mort comme une grosse merde. Et bien sûr, ce PD il est encore là. Bon écoute, avant que j'explose, on va quitter l'épisode. Oui, bah rendez-vous au quatrième épisode pour savoir si Lilian va exploser. Non, mais pas encore, il reste 10 minutes. Ah, il reste 10 minutes. Désolé. Bah ouais. Je pense tellement pas à les vidéos. En fait, nous ça fait genre 3 semaines que vous suivez cette série, mais non, nous on est encore là dans le même jour, dimanche 1er décembre. Pour ne pas donner de date. Bordel de merde. Voilà, ça. Ah, mais ça te fiste le cul ce jeu. Alors épisode 3, la rage à son plus haut point, voilà. J'ai déjà donné un titre à une de mes séries. Donc. Ah bon? Sur Super Crabbox? Je sais pas, peut-être.
Sur Mario Kart, oh là là. Mais peut-être, ouais, c'est peut-être du Mario Kart, ça. Fisté, Père Noël, fisté, Père Noël, fisté, fisté, fisté. J'ai envie de m'enfoncer un tournevis. Non, un bâton. Non, un tournevis, parce que c'est, j'ai que ça sous la main. Ah oui, parce que Lilian a... Putain. Le PC de Lilian troll oui. En ce moment. Oui, non, tu dis. Non, il n'a pas dit ça, il a pas dit ça en vrai. Moi perso, si mon PC me parle, je vais aller me suicider. Non, mais je voulais checkpoint. C'est pas juste. Bienvenue en 2049. Regardez le Vine de GPM Show pour avoir plus de détails. Vous fit l'aspirateur. Peut-être que je pourrais passer comme ça. Ok, barre-toi de la map, barre-toi de la map, barre-toi de la map. Écoute. Ah d'accord, c'est-à-dire que quand tu parcours une distance... Ok, j'ai compris un petit peu le principe de ces conneries. Oh putain, oh les... Eh ben les gens, vous imaginez pas, hein, Lilian est beaucoup plus passif que moi, hein, et pourtant c'est lui qui rage le plus vite. Putain. Je vais aller sur Twitter pour me détendre. juste pour cette vidéo. Likez la vidéo, pouce vert. Misère. Je vais me calmer. La vidéo est devenue silencieuse d'un coup. On va aller sur le Twitter de la GL Time. Les nouveaux projets, ça fait mal à Lilian, très mal. Quand on fera du Death Space, putain y'a un monstre, putain y'a un autre, putain, ah. Et là c'est, putain y'a un pic, putain mais c'est méga dangereux les pics. Mec, si Death Space ça vous fait peur, vous imaginez pas à quel point les pics dans VVV ça peut vous traumatiser à vie. Pfff. Une petite photo exclue. Et là, ah bah en fait la série elle était allumée. Allumée. Putain. Eh, faudrait. Quand on était petit, tu vois, on disait ça. Faudrait inventer un dico avec tous les mots débiles que je dis. Sérieux. Le dico. Oh putain. Je vais faire un montage Photoshop de ça. Le dico des mots débiles de GPN. Ou non, le dictionnaire pour comprendre le GPM aussi. T'imagines un Becherel spécial GPM uniquement à mon nom. Bon, tellement que GPM est incompréhensible, on a inventé un Becherel. Voilà. T'imagines un jour... Tellement que tu es mauvais au jeu, on a inventé un tuto. T'imagines, on a... Enfin, on a 100 000 abonnés, il y a un fou pour dire putain mais on comprend pas GPM. Et là un autre, ouais bah moi je vais inventer un Becherel pour qu'on puisse comprendre GPM. Mais c'est impossible. Bon allez, on retourne. Pas un peu la fin du quatrième là. On va voir ça tout de suite. Ouais, c'est la fin du quatrième épisode. Oh. Comment qu'on s'en fout. Allez, allez merci de vous avoir allez, suivi. Bah, nous sommes actuellement en janvier. Joyeux Noël. Si on respecte les délais, joyeux Noël. Si on respecte pas les délais, et bonne année. Bah allez, joyeux Noël à tous. Bonne année et à plus pour une prochaine vidéo.